Eh bien, salut à toutes et salut à tous, c'est Viggy et aujourd'hui on se retrouve avec enfin le test de FIR 3 sur PC. Donc alors, FIR 3, c'est édité par Warner et développé par Day One Studio, donc c'est plus Monolith Studio qui s'en occupe. Et je peux vous dire que ça se remarque tout de suite. Ça, c'est la moindre des choses déjà. Et c'est sorti en juin 2009, 2011, pas 2009. Alors, c'est un FPS, hein, comme d'habitude. Mais là, quand je parle de FPS, c'est vraiment... ça part dans le style Call of Duty. Et je pense que ça fait mal à la série quand même, hein, la série FIR. Parce que ça perd pas mal le gameplay de base. Alors on se retrouve dans le menu principal du jeu, donc j'aime bien, c'est sympa, enfin, façon de parler, mais voilà, c'est une bonne ambiance, je dirais, pour le menu. Alors alors on peut choisir de jouer la campagne, hein, ça c'est vite fait, hein. Enfin c'est vite fait, c'est normal. On a le multijoueur, donc on a plusieurs modes de jeu dans multijoueur. Hein. Voilà, avec plusieurs modes, plusieurs règles et tout ça. Donc j'ai fait vite fait un mode. Donc je sais plus lequel c'était, mais on devait survivre à des hordes d'ennemis. Donc ça fait aussi penser un peu au mode survie de Call of Duty ou un truc du genre. Et voilà, ça innove pas beaucoup finalement. Donc on a une partie score, j'y suis jamais allé en fait. Alors, on va juste voir, hein. Rang et défi. Ok. Ah ouais, en fait, voilà. Alors je vais tout de suite vous parler de ça en fait. Alors ce qui m'a étonné, mais pas dans le bon sens, je dirais. C'est qu'il y ait des niveaux dans FIR, quoi, des rangs, donc on évolue, ça sert à rien, juste à faire beau, hein. C'est comme un peu dans Call of Duty, sauf que là c'est FIR, hein, et ça se déroule même pendant la campagne, donc c'est plutôt bizarre, hein, comme initiative. De toute façon, vous allez voir en jeu, ça a bien changé, hein, depuis FIR 2. Alors, là, on a les défis, hein, on en avait déjà dans FIR 2, sauf que là, ça sert à évoluer. On a les options, les crédits et on peut quitter la partie, hein. C'est normal. Alors, on va aller dans la campagne. Je vais peut-être vous montrer la mission 2, parce que sur les vidéotests que j'ai vu, les autres personnes ont vu, ils montraient souvent le niveau de la prison. Mais ça reviendrait au même de faire la mission 2, hein, des bidonvilles. Donc ça vous montre, ça vous donne une petite idée de comment est tourné le jeu. Et voilà. Donc alors avant de continuer, je précise qu'il pourrait y avoir du spoil pendant cette vidéo, donc voilà. Alors, enfin, je vous aurais averti. Alors, on a plusieurs missions. Donc, dans le jeu en entier, il y a 8 missions, donc c'est pas énorme. Mais en plus de ça, les missions durent 20 minutes, entre 20 et 30 minutes, donc ça nous fait à peu près 4 heures de jeu maximum. 4 ou 5 heures, ça dépend de votre niveau. Et c'est pas top, hein. Donc on va le faire en commando. Ah oui, on peut changer de personnage aussi. Alors, Fettel, hein, donc le frère du héros. Donc je vous ai dit qu'il y aurait du spoil. Alors, le frère du personnage principal, j'ai toujours pas compris ce qu'il foutait là, malgré que j'ai fini l'histoire. Il est bizarrement mis dans le jeu. Donc on va le faire en normal, hein, avec Point Man. Donc, il a pas vraiment de nom, hein. Et il parle jamais d'ailleurs. Donc voilà.
On attend un peu le chargement. Je vais... Non, je peux pas, si. Je peux passer. C'est bon. Donc, Debout, voilà, il c'est faut. assez crade, hein. On commence dans les égouts. Donc, alors, plein de corps partout. C'est vachement bordélique, je dirais. Donc voilà, là je parle dans les petits niveaux comme ça, c'est enfin, dans les trucs comme ça, où il y a l'ambiance qui est respectée, graphiquement de pire, mais c'est tout de suite autre chose par après quand il y a de l'action. Il y a trop d'action justement dans ce jeu. Enfin, vous verrez après, vous verrez après. Donc parlons tout de suite du scénario. Donc dans le 2, le scénario, c'était la suite du 1, heureusement. Et bah là c'est la suite des deux autres. Voilà, j'ai fait un résumé rapide, hein. Voilà. Bon, alors le scénario, on va pas dire qu'il est très intéressant vu la mise en scène. Et c'est plutôt, c'est assez mal foutu, hein. C'est mal expliqué. Bon, là il y a des petites apparitions, il y a un bras ou je sais pas, non, c'était pas quoi. Donc c'est assez mal foutu niveau scénario. Donc c'est clair, c'est la suite du 2. Donc je vous raconte pas trop ce qui se passe dans le 2, ça va être dur d'expliquer. Il y a des lumières. Alors comme ça suite directe, ça va les deux frères. Donc me demandez pas pourquoi ils sont deux. Déjà, vu que normalement dans le premier Fear, il y a un des deux meurt, hein, donc c'est Fetal, il meurt d'une balle dans la tête, et là d'un coup il réapparaît, hein, sous forme de fantôme, de spectre, ou je sais pas quoi. Et c'est étrange. J'espère aussi que le jeu est assez éclairé, parce que c'est assez chiant quand c'est pas éclairé. Voilà, donc on a le flingue. Je me trouve toujours de boutons. Donc voilà, hein. Là c'est un petit moment sympa du jeu, je dirais, vu que avant qu'on arrive à sortir. Vous parlez du scénario. Voilà, c'est vraiment un truc vite fait. Ça apporte plus de détails sur la vie des deux frères quand ils étaient petits, quand on faisait des expériences sur eux. Et sinon, c'est vraiment un truc vite fait, hein, je dirais, parce que dans ce jeu, vous allez vite apprendre que les frères veulent se débarrasser de leur mère qui attend un enfant encore. Donc ça pourrait dégénérer vu les pouvoirs psychiques qu'elle a. Et c'est pas top, j'allais dire. Bah oui, c'est pas top, hein, du coup. Commandement, écho 3-1, on l'a eu. On le prépare pour Donc pacification du j'entends transport. rien du jeu Faut là. sortir par le point J'espère que c'est nord. pas trop fort chez vous. Alors voilà, hein. Il y a les deux frères qui veulent tuer leur mère, enfin les deux. Un des deux va peut-être finalement choisir il va peut-être faire un autre choix. Donc alors voilà, hein. Donc on voit Alma, Alma, ouais. De toute façon je peux le dire, hein, c'est le 3. De toute façon, je vous ai prévenu qu'il y aurait du spoil. C'est impossible de pas spoiler, hein, dans une vidéo comme ça. Donc voilà, c'est plutôt un mélange de scènes macabres, hein, que de vraies terreurs. Hein. Voilà, il y a la petite là. Il y a des petites apparitions par-ci par-là, mais sinon, il n'y en a pas énormément. Alors voilà, je vous ai vite fait un tour sur le scénario, je parie que vous avez rien compris, mais je m'en fous, hein. De toute façon je veux pas trop en parler du scénario. Parce que franchement les deux premiers sont les deux premiers, surtout le premier, est à faire comme jeu. Et ce serait dommage de gâcher ça. Parce que c'est vraiment un bon jeu, hein. Donc voilà, alors on se reprend avec Fear 3. Donc on va déjà parler des graphismes, hein. C'est pas non plus c'est pas extraordinaire, je dirais. C'est assez moche par moment niveau texture. Si on n'arrive pas à Mais attraper ce sujet, le bon, ça commandement se reste débarrasse bon comme dans il plaît. l'ensemble.
Et c'est surtout la diversité, je dirais, qui fait la diversité des lieux. Par exemple, ici, on passe vite fait dehors. Et voilà, par exemple, ça, là, c'est pas énormément beau, hein. Demandons soutien transporteur et méca. Voilà. C'est bien dans l'ensemble, les effets sont plutôt bons. Pareil au côté de la bande son, hein, j'ai pas grand chose à dire. C'est assez bien réussi. Mais voilà, il est bon graphiquement, mais faut pas non plus s'attendre à la claque graphique, hein, parce que voilà, comme vous le voyez, les textures sont assez bizarres par moments. Mais bon, c'est pas ça qui va gêner, hein, de toute façon. Enfin, graphiquement, bon, il y a quand même quelques effets moches. Alors là, on nous donne directement une arme. Alors vous avez vu, j'ai établi un lien psychique avec un cadavre. Ça sert strictement à rien à part gagner des points pour progresser dans le jeu. Et avant de monter, bah, je vais vite finir ce graphisme parce qu'après ça va juste péter dans tous les sens. Alors les graphismes, comme je vous l'ai dit, c'est pas mal, mais y a mieux pour 2011, je dirais, parce que là par exemple, ce tas de détritus, c'est moche quoi. Bizarre, c'est pas beau à voir, voilà. Tout ça là, les petits trucs en 2D. Pareil pour certaines pages de journal qui ont pas, enfin les petites pages, les petites feuilles qui volent, ça, y a pas beaucoup d'évolution depuis Fear 2 du côté des petits détails. Je parle bien des petits détails, hein, par exemple ce tas là ou les petits papiers qui volent. Mais sinon ça a quand même évolué et c'est pas mal, hein, je dirais, graphiquement c'est quand même acceptable. Donc voilà, alors là ça part vraiment dans, vous allez voir, hein, c'est quand même c'est une scène qui m'a tout de suite donné l'envie de d'arrêter, je dirais. Ah bah tiens, un lien psychique encore après. C'est une scène qui m'a tout de suite donné envie d'arrêter, qui m'a fait quand même poser des questions sur le jeu. Et finalement, je découvre que ça pète comme ça du début à la fin. Et c'est plus du fear, hein, tout simplement. C'est peut-être les protagonistes et l'histoire, mais c'est déjà le 2 qui était déjà tourné à fond vers l'action. Là, c'est de l'action totale, hein, style Call of Duty. Et plus non plus de gestion de la vie et tout ça, donc ça, pareil, et de ce côté, on regagne les vies automatiquement. Et voilà, on regagne les vies automatiquement et je dirais pas que c'est mal non plus, mais ça rend le jeu beaucoup trop facile. Et voilà, de toute façon, ensuite, j'ai rien contre les FPS, mais je dois dire que cette ambiance, ça devait pas être du Fear, tout simplement. Parce que Fear, au début, c'était un mélange d'action et d'horreur. Mais d'horreur vraiment, bah, de l'horreur qui faisait peur, hein, heureusement. Parce que là, l'horreur, on s'y attend tout de suite. On s'y attend trop. C'est trop, l'ambiance change beaucoup trop vite. Alors que dans, par exemple, le premier Fear, on alternait quand même des couloirs, enfin des niveaux, enfin des couloirs sombres, avec des petites scènes d'action de temps en temps qui étaient assez techniques vu qu'on récupérait pas de vie automatiquement. Et les ennemis étaient loin d'être cons, hein, je dirais. Bon, là, il y a quand même de l'évolution par rapport du côté des ennemis au niveau de l'intelligence artificielle, parce que les ennemis communiquent entre eux. Bon, ça reste encore ultra scripté et tout, mais par moments ils communiquent entre eux, ils peuvent tendre des pièges, comme là ils pouvaient contourner le bâtiment, c'est déjà pas mal. Vu que Fear 2 avait laissé une intelligence artificielle complètement merdique, si je peux dire.
Et ça fait quand même plaisir de retrouver des ennemis moins cons déjà. Donc voilà. Et puis je me souvenais plus qu'on avait tourné là. Donc c'est quand même linéaire, on a un peu de liberté mais ça reste ultra linéaire quand même. Voilà, ça. Je vais une fois aller à l'étage, je crois qu'il y a des soldats. Maintenant on devrait. C'est bien ça. Voilà. Ah oui, il y a aussi un truc qui me fait marrer quand même dans le jeu, si je trouve un soldat. C'est le côté je te tacle en fait. Non, j'ai loupé en fait. Mais c'est assez marrant. Voilà, donc je lui ai fait un tacle, il est mort. Là, il a souffert. Hein. Je lui ai dégommé le genou, il est mort et ça a dû être violent quand même. Donc voilà, ça m'a fait marrer parce que c'est n'importe quoi. Hein. Je sais pas qui meurt à cause d'un tacle. Enfin, qui pourrait mourir à cause d'un tacle, mais bon. Enfin, les soldats de Fear 3, voilà. Vous savez qu'on peut tuer avec un tacle maintenant. Donc on va continuer, enfin je vais essayer de pas me planter cette fois-ci. Donc voilà, hein, c'est vraiment un côté bourrin qui a été gardé sur celui-là. Voilà. C'est tout, c'est gore, hein. De toute façon c'est encore gore, ça reste quand même acceptable de ce côté-là. Plutôt en femme, il me reste plus de balles. C'est bon. Alors, voilà. Franchement, là, si ça vous fait pas penser à du Call of Duty, je sais pas ce que vous avez. Parce que pour moi, c'est du Call of Duty tout craché hein, de ce côté-là. Donc, joli effet d'explosion au passage, j'aime bien. Donc, voilà, un Fear 3. Pour l'instant, je dois dire. Enfin, pour l'instant, je l'ai fini. Et je l'ai trouvé franchement ennuyeux. Comme je l'ai dit, j'ai rien contre les jeux d'action, les FPS et tout ça, mais c'est pas dans le contexte de Fear. Donc Fear, c'est avant tout de la peur, hein, comme son nom l'indique. Et bah là, je sais pas ce qui est censé faire peur. Hein. Même les apparitions, on s'y attend, pour le peu qui en est. Les monstres qui sont censés être des zombies, qui sont censés faire énormément peur, bah finalement ils nous agressent par milieu, et donc sur le coup, bah tout de suite moins frissonné pour éviter de me répéter hein. Sur les mots surtout. Donc, là c'est du Call of Duty like hein, je dirais, parce que voilà, ça arrive toujours hein, des mêmes côtés, c'est toujours les mêmes ennemis placés au même endroit. Par moment ça respawn pendant des heures. Enfin pendant des heures, pendant qu'on n'avance pas. Je trouve plus ma porte, je vais mourir. Eh oui, je suis mort. Donc j'ai mal géré ce passage. Voilà. Donc Fear 3, hein, pendant ce temps, ce qu'il y a à en retenir, c'est que l'aspect graphique a été travaillé. J'avoue que c'est pas mal. La bande son est acceptable quand même. Mais bon, c'est pas ça, hein. C'est plus du Fear et ça a perdu tout toute difficulté. Donc merde, ils m'ont opéré. Je vais rester ici. Donc là, il y en a des masses, hein, comme vous le voyez. Ils vont pas me lâcher. Donc alors, ah oui, donc vous avez vu, je reste ici. Si je m'éloigne un peu, la porte se ferme et je peux plus retourner en arrière. Donc c'est un peu con vu que c'est moi qui l'ai fermé. Et je crois pas avoir fermé la porte à clé. Hein. Je crois même pas que j'ai les clés d'ailleurs. Alors c'est assez con ça. Hein. Franchement, voilà, c'est ultra scripté. Hein. Bon, on a quand même l'habitude avec Fear, mais pas à ce point-là. J'ai commencé à me répéter, je crois que j'ai à peu près tout dit sur le jeu. Hein. Donc voilà, je peux plus aller. J'ai à peu près tout dit sur le jeu, c'est ultra scripté et très linéaire.
Il y a plus vraiment de réflexion, même si on n'avait pas énormément dans les pires précédents. Là, c'est vraiment tuer, tuer, tuer pendant des heures. Hein. Donc voilà, les ennemis vont réapparaître là-bas. Il y en aura quelques-uns ici, je crois, qui vont venir. Non, je sais plus. Si, vous avez vu, ils respawnent, enfin, ils respawnent pas, mais ça sera toujours comme ça dès que vous ferez le jeu. Alors ensuite, bah voilà, j'ai fait le tour. La jouabilité, bon, c'est classique, hein, enfin, c'est devenu un FPS, quoi. Un FPS style Battlefield 3 ou Call of Duty. Donc il n'y a plus de medipack, il n'y a plus de. Donc, je vais aller où? Il n'y a plus de medipack et tout ça, et la vie se régénère automatiquement. Donc ça m'a surpris d'où ils viennent eux. Voilà, ça m'a surpris déjà de voir ça dans Fear, parce que ça plombe carrément tout le gameplay. Hein. Fear c'était technique. Dans les anciens, on avait besoin d'utiliser des trucs de soins, des toutes sortes de choses pour survivre. Alors que là, bon, on a besoin d'attendre 5 secondes et la vie revient. Alors voilà, on a le petit. Quand même, le côté graphique est sympa, hein, même si c'est pas excellent. Donc voilà, il a dû avoir mal lui. Je sais pas viser au sniper, hein, ça a jamais été mon arme favorite. Et il a couru à quelle vitesse là, je crois. J'ai pas rêvé quand même. Donc voilà, Fear 3 est à réserver franchement aux amateurs de FPS, des FPS modernes, je dirais. Là où il te régénère ta vie automatiquement au bout de 5 secondes, hein. Ce qui enlève tout défi, sauf quand c'est bien exploité, ce n'est pas le cas ici. Bon, je dois quand même dire qu'il y a des passages quand même qui m'ont plu, notamment la fin du jeu, où on retrouve complètement l'esprit Fear, mais juste dans la fin, pendant les 10 dernières minutes, et bon, bah c'est tout, hein. Sinon, Fear n'y est plus. Donc là, par exemple, on aura. Voilà, Fear, j'aimais bien quand même le côté bourrin à certains moments. Mais là, c'est trop bourrin, je dirais. C'est vraiment. Ils ont essayé de faire un FPS et. En laissant de côté. Ah merde, je l'avais pas vu arriver lui. Donc, je vais sûrement pas réussir à le passer. Donc faut que je finisse vite au lieu avant que vous voyez 50 fois la même scène. Donc voilà, il arrive là, le robot. Il arrivera toujours par là. Donc là, un petit truc. Donc voilà, attention. Maintenant, ce que je disais, donc voilà, j'aimais le côté bourrin de Fear. Ça, y a pas de problème. En première vue, mais. C'est après l'aspect trop bourrin du jeu qui m'a vraiment déplu. Hein. Voilà. C'est assez simple là. Hein. Je n'avais pas trouvé avant. Donc on n'a pas assez de munitions. Allez, let's go. Donc vous allez faire ça hein, pendant tout le jeu. Hein. Détruire, 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 tirer. C'est du. Comme je l'ai dit encore une fois, c'est du Call of Duty-like. Il y a des masses d'ennemis, bon, vous êtes seul, vous les attaquez à fond dans tous les sens. Je viens de me faire tuer, je sais pas comment. Alors. Donc, je me demande pourquoi il me sauvegarde quand je suis juste ici. C'est n'importe quoi. Bon. Donc voilà, au niveau du gameplay, par contre, vite fait, encore avant de terminer. Donc la seule chose qu'on retrouve des Fears précédents. Attends. Ah, je fais n'importe quoi. Je vais n'importe où. Donc désolé de jouer comme ça. Alors la seule chose qu'on retrouve des Fears précédents, c'est ceci. Donc
voilà, hein, le ralenti, le truc qui permet de ralentir le temps. Et c'est tout. Hein. Voilà, on a peut-être des décors lugubres, dégueulasses, enfin macabres plutôt, vu que c'est l'esprit de pire qui veut que ça soit dégueulasse quand même. Mais sinon, ce qu'on retrouve des anciens Fyr est minime. Eh mais c'est quoi ce bordel? Vous avez vu, hein, il a spawné devant moi. Alors là, je comprends. Je comprends que dalle. Je sais même plus ce qu'il faut faire ici. Okay. On va y aller à fond. Hein. Ah non, pas vraiment. En fait, il y aura... Voilà, hein, c'est toujours comme ça hein, dans le jeu. Ça s'arrête jamais. Et je vous le déconseille si vous connaissez la série la saga Fyr. Je peux vous le conseiller si vous aimez les FPS, mais à très bas prix. Hein, parce que, bon, ok, c'est un FPS, ça bourrine dans tous les sens, mais ça dure 4 heures. Quoi. C'est solo 4 heures et le multi n'apporte rien de nouveau hein, au genre. Voilà. Ah merde, là-dessus. Voilà. Donc voilà, je suis assez déçu de ce Fyr et c'est tout ce qu'il y a à savoir à peu près. Hein. Touché, ce serait toi. Franchement, ça me fait vraiment penser à une scène de Call of Duty Modern Warfare 2, je crois. Avec les gars, serait toi et tout. Et voilà, là, l'esprit Fyr est perdu, hein, sûrement. D'après la fin du jeu, c'est sans spoiler, ça sera le dernier Fyr. Et j'espère, franchement, à moins qu'il reboote la série et qu'il fasse un truc qui aille plus dans l'esprit de base. Et voilà, je dirais heureusement que c'est la fin cette fois-ci. Parce que un de plus comme ça, ça servira à rien. Déjà le nombre de gens qui ont été déçus, compris moi, par ce jeu. C'est juste abusé. Voilà, sur les toits et tout. Alors voilà, je vais vous quitter ici. Comme je vous l'ai dit, je vous le conseille si vous aimez les FPS. Enfin, je vous le conseille à bas prix, donc j'ai sauté dans le vide comme un con. J'ai du mal à gérer un saut, moi. Ensuite, pour le nombre de fois morts, parler en... On m'a souvent dit, tu joues mal, hein, mais essayez de parler pendant que vous jouez. C'est dur de se concentrer sur deux choses à la fois. Hein. Moi, voilà. Je suis pas non plus un gros... pas un gros niveau, de base, non plus. Et voilà. Alors, là, je suis heureux. Donc là, il y a un ennemi, un nouvel ennemi. Hein. Voilà, il n'y a pas de tactique spéciale hein, pour le battre, faut juste tirer. Voilà, on tire jusqu'à ce que sa barre d'énergie, enfin, jusqu'à ce qu'on le fait se désactive. Ensuite, on peut l'achever. Voilà. Elle peut probablement mourir. Un coup de couteau, même le coup de couteau fait penser à Call of Duty, vous avez remarqué quand même. C'est quand même abusé. Hein. En parlant des touches aussi, hein, c'est réglé un peu comme celle de Call of Duty. Le couteau, enfin non, le couteau, il est comment. Mais voilà, ça m'a fait vraiment plus penser à ce FPS bourrin qu'à pire. Hein. Il y a vraiment le dernier niveau qui rattrape un peu, mais pour 15 minutes sur 4 heures de jeu, c'est pas les plats. Hein. Et c'est ultra linéaire. Il n'y a aucun plaisir à jouer, franchement. Le scénario paraît minable, en plus de cette mise en scène. Donc, et ensuite, on comprend pas forcément tout. Il y a beaucoup de choses dont on n'a pas les réponses, et c'est nul. Voilà, donc encore un FPS qui a essayé de... Voilà, il sort des murs. Hein. C'est logique.
Donc encore un FPS qui a essayé de jouer la carte du FPS bourrin et qui a complètement plombé une série. Le 2 était moyen déjà, mais il gardait quand même l'esprit avec quelques scènes où on flippait vraiment. Là, il n'y a plus rien à regarder. Ah là là. Bon, c'est... dans le menu. Ça me saoule déjà en fait. Alors voilà, 8 niveaux, avec dont un seul qui garde l'esprit de Fear, c'est pas énorme. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement, ça doit faire quand même pas mal de temps qu'on y est. 30 minutes environ, je crois, d'après ma montre, enfin non, l'heure. Et voilà, hein, on va se quitter, je sais pas, on va se quitter sur ça d'ailleurs. Parce que voilà, comme vous l'avez vu, hein, ça a perdu tout son esprit, c'est plus du Fear. Et j'espère que il y aura pas de suite si ça continue comme ça. Ils auraient pas dû quand même redonner la série à Day One Studio, ou je crois que c'est ça le nom, parce que ça a été un gâchis. Franchement, pour moi. C'est franchement réservé aux nouveaux joueurs, hein, adeptes de Call of Duty. Même si j'aime Call of Duty, mais là, combiner un FPS bourrin avec un truc d'horreur, ça le fait pas du tout. Je sais même pas quoi vous montrer, hein. Il y a 8 missions, comme je vous l'ai dit, 4 heures de durée de vie. Et c'est tout, hein, le gameplay est classique. Il n'y a rien d'autre à dire, hein. Il y a déjà régénération de vie automatique, le multi. Il est sympa, mais il apporte pas grand chose, donc il vous tiendra pas des heures quand même, hein. Il y a des passages du scénario qui sont inexpliqués, où il y a un truc que j'ai pas bien suivi. Par exemple, l'apparition de Fettel, hein, par exemple, je sais pas ce qu'il fout là. Même si on connaît son but, je vois pas comment il est réapparu. À moins que maintenant je me dis peut-être c'est ce que je pense, mais je vous le dirai pas, mais ça m'étonnerait beaucoup. En tout cas, ça m'a plus déçu, hein. Ensuite on peut refaire le jeu avec Fettel, mais je pense pas que vous aurez envie de le refaire. Ça consiste juste à faire la même chose, sauf avec un autre personnage, hein, avec des autres pouvoirs. Donc, comme vous l'avez vu, c'est un jeu tourné multijoueur. Déjà, c'est juste pourri ce système. Il laisse complètement de côté la campagne solo, tout sur le multi, donc il n'y a plus rien. Fear n'existe plus, je dirais. Donc voilà. Je vous quitte ici. Prenez ce jeu à très bas prix si vous aimez les FPS. Si vous êtes fan de Fear, vous passez votre chemin, parce que celui-là c'est minable, hein, c'est complètement minable. Et voilà, ça c'est ultra répétitif. Par exemple, je vais vous montrer un niveau plus loin, donc je m'en fous, hein, franchement. Alors par exemple, celui-là, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de différence, hein. Il y a juste des petits monstres en plus. Et on se quitte ici, voilà, hein. On se retrouve sur Vision Geek sûrement, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, sûrement pour la suite de Mind Geek, ou un truc comme ça. Et bah je vous laisse ici, à la prochaine, et voilà. Sont obligés de sauver cette femme. Le plus rapide est de passer à travers, ils sont pas.